on a déjà essayé de discuter avec l'inspection en fin d'année, qui ne nous a pas entendu. En cours d'année, en février-mars, quand ça a été annoncé, on nous avait promis le blocage de la classe et non la fermeture. Et finalement, elle a été actée, la fermeture. Ils sont 31 au lieu de 24. Puis on a 68 logements qui vont être livrés normalement avant fin janvier. Donc il y aura sûrement des familles. Et pour deux élèves qui manquent. Et en plus, l'année prochaine, en septembre, pour réouvrir, parce qu'ils dédoublent les grandes sections. Donc oui, on espère la réouverture. On ne lâchera pas.